La team, j'espère que ça se passe bien chez toi. En tout cas, je pense que mes vidéos aujourd'hui, ils vont être un peu bruyants, mais si c'est le cas, vous me le pardonnez, la team family, parce qu'aujourd'hui, j'ai un chantier à côté de chez moi, donc il y a un peu de bruit autour de moi. En tout cas, je ne sais pas si ça va ressortir dans la vidéo, mais si c'est le cas, tu me le pardonnes. Alors, le thème qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment le silence peut améliorer notre vie quotidienne? Eh oui, le silence, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est tellement bruyant, qui est tellement axé sur l'extérieur, on a tendance à oublier l'intérieur. Et l'intérieur, pour moi, c'est quelque chose qui est inoubliable. Car de temps en temps, il faut faire un retour vers soi pour pouvoir se ressourcer et se connecter à notre âme et surtout apprendre à mieux nous connaître. Parce que si on avance comme ça, la tête dans le guidon, on peut vite déborder, on peut vite tomber dans le stress ou être anxieux. Donc je pense que le retour vers le silence de temps en temps, ça aide notre quotidien. Pourquoi pas 20 minutes de méditation? Pourquoi pas rester juste dans un endroit calme en train d'observer ta respiration? On n'a pas besoin d'aller loin pour rester dans le calme ou pour se reconnecter avec notre âme. Peu importe là où tu es, à partir du moment où ton attention et ton regard est porté à l'intérieur de toi, tu peux rester dans le silence. Personnellement, je trouve que ça aide beaucoup. Car je trouve qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est tellement axé sur la consommation. On veut toujours plus, 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 de sorte que on n'apprécie même plus les choses qu'on a en fait. Parce qu'à peine on a reçu quelque chose, on ne le regarde plus, on a besoin d'autres choses. Ça nécessite quand même, de temps en temps, de faire le retour chez soi, de se reconnecter avec notre âme, de demander nos besoins profonds. Car on a des besoins éphémères et des besoins profonds. Et en général, on oublie ces besoins-là. Parce qu'on suit tellement la vie quotidienne, on suit tellement on est dans notre train-train, la tête fixée sur le guidon, qu'on ne pense même pas à nous-mêmes. Parfois, il faut porter son regard à l'intérieur de toi. Parfois, il faut vraiment s'observer pour mieux se connaître. Car, comme il dirait Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est nécessaire de pratiquer le silence. Car je trouve que non seulement ça nous enlève le stress, parce qu'après une journée de travail, tu restes 30 minutes sans toucher ton téléphone, sans écouter la télé, être juste dans le silence comme ça, en train de s'observer. Pour moi, ça enlève déjà le poids de la journée. Pour moi, c'est nécessaire le silence. Et ça améliore notre quotidien. Teste. Si tu le testes, tu verras avec tes propres yeux l'avantage. Mais je te conseille de le tester. Car ça aide. Non seulement ça aide à mieux se connaître, mais ça apaise nos pensées. Et puis ça nous reconnecte avec notre âme. Ça vaut la peine, non? Essaye. Sois un peu ouvert d'esprit. Il faut tester les choses jusqu'à voir ce qui nous correspond. Tu n'as pas besoin d'aller je ne sais pas ailleurs ou je ne sais pas où pour méditer. Tu peux le faire, même dans la rue. À partir du moment où tu es capable de porter ton attention à l'intérieur de toi, là, tu es dans le silence. Mais si tu captes tout ce qui traverse autour de toi. Là,
c'est pas toi qui maîtrises ton esprit, mais c'est ton esprit qui te maîtrise. Il faut être capable de temps en temps de maîtriser son esprit, de lui dire, écoute, c'est là où je veux que tu sois, reste là avec moi. Pas sur tout ce qui tourne autour de toi. Teste, tu verras. Tu me diras dans les commentaires comment tu as trouvé le silence. En tout cas, pour moi, c'est nécessaire dans notre vie quotidienne. C'était mon message d'aujourd'hui et je te fais un gros bisou et à très vite. Mouah!